Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse richement, que le Seigneur vous bénisse tous qui êtes en connexion ce soir, que réellement ceux qui n'ont pas encore la possibilité ou ceux qui sont en chemin de se connectent réellement parce que nous allons commencer réellement la réunion. Que le Seigneur soit avec chacun de nous encore ce soir. Nous sommes dans une grande attente, nous nous attendons réellement à notre Dieu pour qu'il nous bénisse encore et qu'il nous éclaire encore pour cette année nouvelle qui se profile réellement déjà dans quelques minutes, que le Seigneur vraiment nous soutienne. Nous allons juste fredonner réellement ses cœurs et alors nous prierons et nous chanterons quelques cantiques avant que le pasteur ne puisse arriver. 250B dans les fardes, grâce étonnante. Grâce étonnante auquel tous sommes souvent un malheureux. J'étais perdu, je suis retrouvé, aveugle maintenant, je vois. Cette grâce m'a enseigné la crainte, elle se Seigneur soit béni, qu'il soit vraiment glorifié et exalté encore en ce jour pour cette grâce qu'il vient de nous accorder encore aujourd'hui, de pouvoir nous rassembler à cette heure-ci. Et comme vous pouvez aussi le réaliser aussi, chaque année nous avons toujours cette grâce et cette joie de pouvoir nous retrouver et lorsque nous achevons une année pour commencer une nouvelle année. Nous avons toujours notre rendez-vous avec notre Seigneur. Et c'était toujours un moment tout à fait particulier pour nous tous. Et c'était aussi le moment donc de rassemblement où nous pouvions
prendre aussi ensemble la Sainte Cène, les lavages des pieds, et avoir cette communion les uns avec les autres, parce que nous traversions ensemble le moment que nous avons été avec jusqu'au 31 décembre. Et là, maintenant, nous passons dans la nouvelle année. Nous voulons passer avec nos frères et sœurs, et ensemble, effectivement, aussi dans la présence du Seigneur, et en suppliant le Seigneur pour qu'il soit avec nous, qu'il puisse réellement aussi continuer la marche avec nous. Et comme Moïse avait dit, si tu ne pars pas avec nous, ne nous laisse pas donc partir. Donc, effectivement, ça a toujours été notre cri le plus profond de notre âme, de ce que chaque année, comme nous l'avons toujours goûté, que toutes les années a toujours été bon avec nous, nous voulons que chaque année qui continue davantage avec nous. Cette année a été une année assez particulière dans ce qui se passait effectivement, comme vous le savez, avec cette histoire des virus et les mesures effectivement qui ont été donc prises, empêchant effectivement d'abord avec le couvre-feu de ne pas être dans mesure de pouvoir dépasser 22 heures et puis les interdictions pour les réveillons et tout ça ainsi de suite. Et cela fait qu'en sorte que pour ne pas mettre nos frères et sœurs dans les situations difficiles, nous avons eu à pouvoir voir comment il fallait procéder. C'est ainsi que j'avais donc décidé par la grâce du Seigneur que nous puissions avoir effectivement notre Sainte Cène et notre lavage des pieds effectivement les dimanches qui venaient de pouvoir passer. De telle sorte qu'effectivement qu'aujourd'hui, comme nous avons pu avoir aussi ces moments de communion, le soir, on désirait tellement pouvoir rester très longtemps. Vous savez, je suis beaucoup plus triste effectivement pour chacun de vous tous, car je crois que chacun de vous aurait aimé vraiment être ici pour pouvoir aussi passer ces moments ensemble et autour de la parole du Seigneur, donc des minuit à une heure du matin, donc passer donc cette partie de 2020 à 2021. Mais les circonstances ne nous ont pas permis, effectivement, à cause des mesures, effectivement, d'interdiction. Mais, étant donné que nous avons toujours eu cet engagement à l'endroit du Seigneur, notre Sauveur, de pouvoir être dans sa maison pour pouvoir les louer, les glorifier, passer ce temps aussi ensemble et que nous traversons ensemble, nous pouvons ne pas être dans la maison du Seigneur. C'est pour ça que je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour ses frères et sœurs qu'il m'a donné, qui aujourd'hui, je peux voir que malgré les difficultés, malgré cela, quand je peux voir mon frère Christian et aussi mon frère Rosario et mon frère Jonas et aussi mon frère Zaché ainsi que notre bien-aimé frère José, je leur avais fait comprendre une chose très importante. J'ai dit, personne n'est obligé parce que c'est moi-même qui peux prendre ce qu'il y a à pouvoir prendre effectivement, mais je ne veux pas que chacun puisse être dans les conditions difficiles. Vous pouvez rester chez vous à la maison. Je serai là, moi, avec les techniciens qui m'aideront à pouvoir faire passer aussi ce temps avec vous et communion effectivement au travers de la connexion. Mais ils m'ont dit certainement que non, là où vous serez effectivement, nous ne pouvons pas ne pas être là aussi à notre poste de devoir, peu importe ce qui peut arriver, et nous y serons ainsi. J'ai eu donc à voir à des hommes qui étaient déterminés de pouvoir réellement être à leur poste de devoir, sans tenir compte effectivement de ce que les menaces, les circonstances difficiles qu'on peut passer. En tout cas, que le Seigneur le bénisse richement. Ce sont des hommes déterminés. Et là aussi, je peux aussi voir aussi ces jeunes hommes aussi qui sont ici aux instruments, ainsi de suite, qui sont restés parce qu'ils pouvaient aussi avoir aussi cette peur de pouvoir dire, mais nous allons voir la situation, mais ils sont déterminés. Et mes sœurs aussi, et frères aussi, qui sont aussi restés parce que chacun d'eux a eu à pouvoir comprendre que pour rester, il faut être déterminé, peu importe ce que la chose peut être effectivement, comment on peut arriver à pouvoir clarifier, mais par la grâce du Seigneur, nous aimons notre Dieu. Et ils ont eu à pouvoir vouloir aussi être là. Que le Seigneur les bénisse richement aussi. Et vous tous aussi qui êtes restés, vous pouvez aussi dormir chez vous à la maison, mais qui êtes restés aussi éveillés comme cela pour qu'ensemble nous puissions traverser 2020 vers 2021. C'est cet engagement que nous avons pris à l'endroit de notre Seigneur. De le louer, peu importe les circonstances, peu importe les moments, peu importe les conditions, mais notre Dieu doit être glorifié dans toutes les circonstances et aussi être aimé, être exalté. Et nous aussi, nous-mêmes aussi, être déterminés à pouvoir le servir. Comme nous le disons souvent, nous chantons jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Car rien donc ne puisse nous empêcher de pouvoir servir notre Dieu. Et dans toutes les circonstances, nous voulons réellement aussi le louer
et les glorifier. C'est pour cela que nous sommes ici, donc, pour que dans l'assemblée, dans la maison du Seigneur, effectivement, pour que nous puissions le louer, les glorifier et prier ensemble, effectivement, aussi pour que le Seigneur nous bénisse aussi tout au long de cette année qui va donc commencer. Mais comme je vous l'ai dit, effectivement, aussi, avec ces hommes que le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir être avec aussi et dans la maison du Seigneur pour pouvoir servir le Seigneur et étant aussi déterminé de pouvoir rester aussi pour pouvoir passer ce moment de veillée de nuit aussi ensemble avec vous pour que nous traversions parce que nous sommes déjà dans l'an 2021. Que le Seigneur vous bénisse et je suis heureux de pouvoir vous retrouver de l'autre côté en 2021 et je vous souhaite donc une bonne heureuse année, vous qui êtes là effectivement aussi, assis de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Je vais donc demander à mon précieux frère Christian qu'il puisse venir parce que je demanderai à chacun d'eux effectivement de pouvoir aussi exprimer ce qu'ils ont aussi sur leur cœur à votre endroit, ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire et aussi et qu'il souhaiterait vraiment que le Seigneur fasse pour vous aussi. Je vais demander à chacun d'eux de pouvoir passer. Il y aura donc notre précieux frère Christian, que vous aimez beaucoup aussi, toujours fidèle à son poste de travail. Que le Seigneur le bénisse richement. Et alors après cela, il y aura aussi notre précieux frère Rosario, qui n'a pas voulu rester dormir chez lui, mais déterminé à être dans la maison du Seigneur, à son poste de devoir. Alors notre frère Zachée, mon Dieu, que le Seigneur bénisse mon précieux frère. Ah, toujours là, et le matin comme le soir, la nuit comme le jour, il est toujours là à son poste. Et mes deux frères ici, que Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir être avec moi, mon précieux frère Jonas et mon précieux frère José, chacun d'eux donc passera pour quand même aussi vous présenter aussi quand même ce que le Seigneur a mis sur leur cœur et surtout prier pour vous aussi, pour que le Seigneur puisse réellement vous bénir encore davantage. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Je suis heureux de pouvoir avoir cette occasion, de vous voir là, de l'autre côté. Vous êtes assis et je voyais la famille de ma sœur Bambino là-bas avec les enfants aussi à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vis aussi notre sœur de Canada. Est-ce que notre frère, effectivement, là aussi de Canada, je pense, notre sœur Carole et notre frère, ils vont aussi de Canada. Et je vois notre frère, c'est notre frère de Londres qui est là, je pense, que Dieu te bénisse. Donc j'ai la joie de pouvoir vous voir tous, effectivement, dans les endroits où vous vous trouvez. Que Dieu vous bénisse richement, que vous fortifie beaucoup. Alors je vais donc inviter notre précieux frère Christian, que le Seigneur, notre Dieu, le bénisse et qu'il le fortifie. Il a à cœur, effectivement, de pouvoir quand même aussi vous présenter aussi ce que le Seigneur a eu à pouvoir être sous son cœur et prier aussi pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. C'est merveilleux de pouvoir entendre chacun de nos bien-aimés frères nous exprimer effectivement aussi autant d'amour que le Seigneur a placé aussi dans leur cœur et aussi en notre tour, aussi en retour, nous les aimons beaucoup. Et nous remercions Dieu de nous les avoir donnés. Parce que le Seigneur, notre Dieu, il ne fait rien pour rien. Quand il fait quelque chose, il le fait aussi pour un but. Et nous sommes maintenant dans une nouvelle année et nous avons eu à pouvoir aussi recevoir les bénédictions de la part de chacun d'eux. Et surtout aussi, le témoignage de tout un chacun nous a beaucoup touchés. De voir effectivement combien ils sont aussi déterminés et aussi avec autant de zèle et d'amour à l'endroit du Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour ce qu'il fait pour nous et ce qu'il va encore davantage faire aussi pour chacun de nous dans cette nouvelle année qui a commencé. Et nous remercions notre Dieu de ce que c'est vrai que l'année passe et que son nom soit béni parce que cette année qui est passée nous rapproche encore plus encore de sa venue parce que nous savons qu'effectivement qu'il nous a fait la promesse qu'il viendra certainement. Et chaque jour qui passe effectivement nous rapproche davantage de sa venue parce que chaque année qui commence aussi apporte aussi effectivement aussi des événements et aussi par la grâce du Seigneur l'accomplissement aussi de la parole de Dieu pour l'année en question, tout au long de la période, effectivement, aussi, pour nous, parce que, comme nous l'avons eu à pouvoir aussi l'entendre et le dire aussi, ce que nous
nous sommes dans l'âge de Laodicée et le Seigneur, notre Dieu, fait l'histoire dans Laodicée et c'est nous qui sommes le peuple de Dieu au travers duquel, effectivement, le Seigneur est en train de faire donc son histoire. Toi donc, mon frère, et toi donc, ma sœur, que le Seigneur a eu à pouvoir aussi choisir, appeler, effectivement, tu es important dans ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Et comme notre précieux frère Jonas l'a dit aussi, que le Seigneur, quand il fait des choses au travers des hommes. Il n'a pas appelé les arbres, mais il t'a appelé toi, frère, et toi, ma sœur, pour que aujourd'hui, effectivement, si les hommes dans ce monde qui sont des hommes incrédules, qui ne croient pas en Dieu, qui croient que du Seigneur Jésus-Christ n'a pas existé, qu'il n'existe pas, mais qu'au travers de toi, ils puissent voir si Jésus vivra. Et c'est comme cela qu'ils glorifieront Dieu en disant, mais certainement, j'avais entendu parler de ce Jésus, mais j'ai rencontré une fille, j'ai rencontré un homme, effectivement, au travers de qui je peux voir que réellement, ce Jésus vit dans cet homme ou dans cette femme, effectivement. Nous sommes, effectivement, comme nous l'avons entendu, effectivement, aussi, des lumières, cette lumière que le Seigneur a placée dans ce monde pour aussi éclairer, pour que les hommes sachent qu'effectivement, que c'est vrai qu'il y a la voie que les hommes suivent, effectivement, comme la Bible dit que toute telle voie paraît droite à l'homme, et à celui-ci, cette voie, c'est effectivement la mort. Et nous remercions Dieu de ce qui nous a placés, effectivement, lui-même, dans cette voie qui est étroite, qui est resserrée, effectivement, dans laquelle nous trouvons la vie, malgré les difficultés que nous pouvons arriver à pouvoir voir. C'est comme cela que les hommes peuvent nous regarder, malgré les difficultés que nous pouvons traverser, ils nous voient toujours aussi positifs, aussi fort, aussi persévérant, aussi amoureux de la parole de Dieu, effectivement, et désirant davantage de pouvoir marcher avec le Seigneur malgré ce que nous avons. Et cela, même quand ils vous calomnient quelque part, effectivement, au plus fond de leur cœur, ils disent que c'est sûr et certain, c'est quand même des hommes qui aiment, des hommes de Dieu qui aiment Dieu, effectivement, des filles et des femmes aussi qui aiment tellement le Seigneur. Souvenez-vous de ce que Nicodème a eu à pouvoir dire, effectivement, au Seigneur Jésus, malgré que dans leur groupe, effectivement, il ne voulait pas de lui, il voulait pas que les gens reconnaissent qu'il était le Messie, mais il a dit que nous savons, que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est ce que Dieu veut vraiment aussi de nous, ce qu'il attend aussi de nous, comme nous l'avons entendu aussi, effectivement, que nous sommes effectivement aussi dans cet âge, effectivement, principal, important, parce que il ne pouvait pas arriver à la perfection sans nous. Donc, effectivement, nous devons comprendre que nous avons un rôle assez important, mon frère. Le fait que nous nous retrouvons comme ça, ça paraît comme si, est-ce que vraiment, non, là, nous sommes en train de pouvoir servir le Seigneur. Ce qui est petit à vos yeux est grand aux yeux du Seigneur. Et le fait que vous restiez là devant vos écrans, jusqu'à cette heure-ci, vous pouvez dormir, effectivement, nous sommes déjà le matin, mais c'est parce que, effectivement, qu'il y a quelque chose dont vous considérez comme étant sérieux pour vous. Il s'agit, effectivement, que c'est Jésus, c'est Dieu existe réellement et que vous croyez qu'effectivement que ce qu'il a dit est vrai. C'est pour ça que vous vous accrochez. Puisse le Seigneur accorder effectivement aussi cette grâce encore cette année de pouvoir réellement continuer à marcher avec lui. Je voudrais donc lire une écriture dans les Saintes Écritures effectivement pour que nous voyons ce qui le Seigneur veut que nous puissions comprendre dans la suite de temps, dans la marche dans laquelle nous nous trouvons, qui est très important pour chacun de nous, mais surtout aussi dans les temps et les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Et cela, c'est dans le livre des Actes, effectivement, et nous lisons à partir du verset, je voudrais quand même lire, même à partir du verset 37 que vous connaissez, mais je voudrais seulement commencer par là. Alors, il dit ceci, que après avoir entendu ces discours, Actes 2, 37, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il le conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse.
Verset 41 dit que ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, donc, furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Nous voulons te dire merci, notre Père, pour la grâce que tu nous accordes encore de traverser cette année qui vient de passer, mon bien-aimé Père Tubissant, avec des grandes bénédictions, avec aussi des grands exploits que tu as réellement accomplis, Père Tubissant, Dieu, pour ton peuple, au travers de chacun de nos personnes, comme mes précieux frères ont eu à pouvoir rendre leur témoignage, mon bien-aimé Père Tubissant, aussi, chacun de nous, et de mes frères et sœurs qui est ici aussi, Père Tubissant, et d'autres qui sont ici, et d'autres qui sont aussi là-bas aussi connectés, aussi, Père Saint-Dieu. Chacun d'eux a eu un témoignage aussi merveilleux de ce que tu as fait cette année-ci, mon bien-aimé Père Tubissant, qui vient de passer. Nous te remercions vraiment pour tes œuvres aussi grandioses. Merci pour la lecture de ta parole encore, mon bénévole Père Tubissant, que nous venons de lire maintenant. Nous voulons que tu nous aides et nous éclaires encore davantage pour que nous sachions comment marcher encore cette année qui vient, mon bénévole Père Saint-Dieu, pour que nous puissions rester aussi, Père Tubissant, attachés davantage à toi. Sois béni, Père, et c'est vrai que tu me pardonnes, que tu nous pardonnes, mon bénévole Père, oh Dieu. Ouvre-nous encore davantage le cœur, Père Tubissant, aussi les yeux, Père Tubissant, encore les dévouements dans notre cœur pour que nous puissions saisir encore davantage ce que tu attends de nous, afin que nous puissions nous y appliquer de tout notre cœur. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions Dieu de ce que nous avons, ce privilège aussi, cette grâce de pouvoir commencer l'année suivante qui vient de commencer, toujours avec la parole de Dieu. Et c'est vraiment une manière, une grâce extraordinaire de pouvoir vraiment nous tenir, parce que nous aurions pu dormir à la maison et dire voilà, quand même, c'est pas grave. Non, c'est toujours grave. Quand on doit passer une année qui passe, effectivement, on ne peut pas rester dormir. Nous voulons la passer avec le Seigneur et commencer avec la parole de Dieu. C'est cela notre force, notre bénédiction et aussi notre appui, effectivement, parce que nous savons, vous savez, les témoignages de notre précieux frère Zachée m'a touché. Et c'est surtout quand il a dit qu'effectivement, lorsqu'il a été donc vanté pour le baptême, on les a arrêtés. C'était au moment de la guerre, effectivement. Et puis, on les a interrogés. On reconnaissait donc le pasteur, puisqu'il vivait dans le quartier, effectivement. Mais lui, on le considérait comme étant un rebelle. Et voilà que le petit bonhomme, effectivement, comme vous savez, pendant les guerres, on prend les petits gamins, effectivement. Alors, ces enfants-là, tuer quelqu'un, ça leur dit rien. Et alors, regardez, notre frère Zachée, effectivement, et comme ça, il lui dit, mais toi ici, donc, il était content que sa machette puisse couper la tête de quelqu'un. Donc, il disait, toi ici, ma machette ici va couper ta tête. Si tu n'es pas un fils de Dieu, ma machette te coupera la tête. Et alors, lui, le frère Zachée, allant maintenant là-bas, comme vous l'avez aussi entendu. Et c'est ça qui m'a frappé. Je crois que c'est là que ça lui a frappé aussi. Je pense que c'est sur cela aussi qu'il a eu à pouvoir voir la force. Si Dieu a commencé, il va aussi l'achever. Donc, effectivement, il entend, donc, comme on posait la question là-bas, qu'il était rebelle. On dit qu'il était rebelle, effectivement. Et puis, on demande effectivement au chef coutumier, je pense, quelque chose comme ça, et qui disent qu'ils le connaissent effectivement. Et alors, c'est le bonhomme là, qui avait la machette, qui voulait couper sa tête, qui lui dit, vraiment, tu es un fils de Dieu. Et ça a marqué frère Zachée. Depuis ce jour-là, il dit, Seigneur, tu m'as confirmé que je suis un fils de Dieu. Sinon, ce bonhomme ici allait couper ma tête. Gloire à toi que tu as gardé ma tête à sa place. Donc, c'est cela aussi qu'il a eu aussi, en se disant que Dieu, et puis comme il nous a expliqué, effectivement, que en écoutant Jean 14, effectivement, il dit, en tout cas, là, j'ai une place. Alors maintenant, et comme le Seigneur lui avait confirmé, effectivement, aussi, en disant, par la bouche, tu sais, maintenant, que tu es un fils, je dis, Seigneur, maintenant confirme qu'il faut un saut. Dieu lui a confirmé le saut. Il fallait quelque chose sur quoi il devait encore s'accrocher, effectivement, pour que le Seigneur. Et cela qui est important aussi pour nous quand nous pouvons arriver à pouvoir réaliser ce que le Seigneur a fait. Et ici, comme vous pouvez le voir, c'était un moment tout à fait particulier, en fait. Le jour de Pentecôte est un des jours le plus glorieux, un des jours merveilleux, en fait. Pourquoi est-ce qu'on dit seulement, on dit cela que c'est un jour merveilleux en fait en réalité? Parce que c'est le jour où c'est que le Seigneur, parce qu'avant ça, cela n'y était pas. Vous savez bien que c'est le Seigneur qui a dit à Pierre, il dit, mais je bâtirai mon église. Donc il n'y avait pas encore son église. Ah non, il n'y en avait pas.
Parce que il a dit à Pierre, il dit, mais, parce qu'il pouvait dire, mais j'ai mon église. Non, il dit, Pierre, il dit, mais sur cette révélation que tu veux recevoir, je bâtirai, c'est dans le futur quand même, je bâtirai mon église, effectivement. Donc, il n'en avait pas. Alors, c'est ces jours-là, maintenant, le jour de la Pentecôte, effectivement, que, là, effectivement, que l'église du Seigneur Jésus-Christ a été donc manifestée. C'est pour ça que vous pouvez remarquer qu'effectivement, que ce jour-là, c'était tellement une puissance parce que c'est cela. Donc, c'est que la puissance de Dieu est descendue, effectivement, sur ceux-là qui ont eu à pouvoir recevoir, effectivement, la sémence, effectivement. Parce que vous dites, mes frères, quand même, oui, monsieur, madame, monsieur, il faut comprendre qu'effectivement, que quand on parle de l'église, il s'agit du corps. Donc, les sept esprits n'étaient pas encore déversés, donc vous ne pouvez pas entrer dans le corps, mon frère. Donc, c'est pour que nous comprenions quand on parle, effectivement. Donc, ces jours-là, effectivement, qu'il est descendu, effectivement, dans son corps, effectivement, dans ceux-là qui étaient, effectivement, qui l'ont reçu d'abord, effectivement, et qui fait. C'est pour ça qu'on dit que, on ne peut dire que nous sommes l'épouse de Christ, c'est-à-dire que l'église du Seigneur Jésus-Christ, que si nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, sans le baptême du Saint-Esprit, on ne peut pas se revendiquer d'être effectivement l'épouse du Seigneur et que aussi d'être à lui. Parce que dans les livres de Romains, je pense, au chapitre 8, il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, qu'est-ce qui se passe? Il ne lui appartient pas. Donc, nous comprenons que c'était un moment tellement important parce que ces hommes-là, oh, ils pouvaient avoir effectivement aussi fait tout ce qu'il fallait faire, effectivement, mais s'ils n'avaient pas eu à pouvoir avoir cela, ben, ils ne pouvaient pas lui appartenir. C'est cela, effectivement. Donc, ces jours, le jour de Pentecôte est un jour tellement important parce que c'est ce jour-là que maintenant on a pu voir que le Seigneur a eu à pouvoir maintenant manifester son église. D'ailleurs, vous pouvez voir effectivement que tous ceux qui étaient dans son église, comme notre précieux frère nous l'a lu, effectivement, j'ai beaucoup aimé cela dans le livre de Juge, c'est là, effectivement, il me dit, mais et, regarde, effectivement, il demande tous ceux qui sont, je crois que c'est Juge au chapitre 7, hein, juste les lire cela, hein, donc. Et voilà, juste rapidement, Juge chapitre 7, oui, oh pardon, je suis allé tellement loin, voilà, Juge au chapitre 7, je crois que c'est cela, oui, voilà, Juge au chapitre 7, voilà, c'est cela, alors il dit, voilà, verset 3, il dit, mais publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif, on te dit qu'il a toujours peur, et qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la montagne des Galates. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il n'en resta que 10 000. C'est cela, oui, donc. C'est-à-dire que c'est lui qui a peur. Parce que quand vous avez peur, mais vous savez, que, certainement, c'est vrai, c'est, vous êtes la proie, en fait. Et c'est par là qu'effectivement, comme je l'avais dit il y a un temps, Satan aime bien travailler là-dessus, en fait. Quand on met le peuple dans la peur, alors à ce moment-là, le peuple devient soumis. Oui, mais c'est normal quand on vous montre les gens avec des tuyaux dans les hôpitaux, de ceci et de cela. Mais ça veut dire que vous commencez à trembler, dire, ah, voilà là où ça va vous amener, effectivement. Alors, vous êtes masqué tout le temps, vous faites des gestes barrés, c'est normal. Hein? Pourquoi on vous montre toutes ces choses-là? Mais c'est pour que vous ayez peur. Et la peur vous rend maintenant soumis. Ah ben c'est sûr et certain, mais vous regardez quand même, les dictateurs, ils frappent, ils coupent les mains, ils tuent effectivement, pourquoi? Pour faire peur. Et quand la peur, mais c'est ça, la peur vient et vous vous soumettez. Parce qu'on a, à cause de la peur, vous vous soumettez effectivement, mais cela en réalité, alors il domine sur vous. C'est comme cela qu'effectivement, que c'est ça. Alors, ici il dit, mais tous ceux qui sont craintifs et qui ont peur effectivement, qu'ils puissent s'en aller parce qu'ils ne vont pas servir, ils seront, des charges inutiles. Parce que quelqu'un qui a peur, effectivement, décourage les autres. Ah oui. Si vous avez au milieu de vous quelqu'un qui a toujours peur, effectivement, il va dire, oh, vous savez, c'est, et puis vous, tout d'un coup, vous sentez vous-même aussi que sa peur commence à vous contaminer. C'est ça le travail, donc, quelqu'un qui a peur décourage l'autre, effectivement. Il faut des gens qui sont forts, en fait. Oui. C'est pour ça que vous remarquez très bien que ces gens-là, ils avaient peur auparavant. Vous connaissez quand même Pierre, effectivement, comme on lui a dit, mais toi, ici, ta façon de parler, t'es trahi, tu es l'un d'entre eux. Il dit, non, je ne le connais pas. Vous souvenez? Voilà. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, quand cet homme ici était rempli du Saint-Esprit,
Alors ils pouvaient se tenir debout et dire, mais jugez-en vous-même, vous souvenez. L'homme qui fouillait, qui se cachait, qui avait peur des gens du Sanhédrin, effectivement, à ce moment-là, il se tient devant les Sanhédrins comme ça. Vous nous interrogez sur un bienfait accordé à nos malades. Vous savez, non? Donc cet homme avait maintenant, vous savez, la peur n'était plus là, mais c'était l'assurance, effectivement. Il avait l'ongle l'autorité, parce qu'il était haussé dans le corps. Il était haussé dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu le baptême. C'est pour ça qu'il a parlé, effectivement, au peuple, effectivement, qui était là. Et ils ont aussi réalisé que non, ces hommes, ils ont quelque chose, effectivement, en eux. Hein. Et puis, effectivement, c'est pour ça qu'ils ont été touchés, parce qu'ils ont eu à pouvoir voir. Mais c'est pas des êtres humains qui sont comme les autres. Parce que c'est pas normal que ils sont tous des Galiléens, mais ils parlent dans leur langue maternelle galiléenne. Nous aussi, on les entend dans nos propres langues maternelles sans qu'il y ait un interprète. Donc ça, ça crée une explosion, en fait, dans ce personne. Dit, mais ces âmes, ils sont à un autre niveau. Ils sont quelque part dans lesquels nous ne sommes pas. C'est pourquoi ils ont dit aussi, mais, ô homme, frère, que ferions-nous? C'est extraordinaire la manière dont la question a été posée. Ça veut dire que c'était tellement puissant que dans le cœur de ces hommes, effectivement, qu'ils ont poussé un cri de détresse parce qu'ils voulaient, ils se sont dit que nous sommes vides et il n'y a rien à nous, mais nous voulons ce que vous avez. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrive à ce niveau-là dans lequel vous vous trouvez aussi? Et voilà, mon frère et ma sœur, que quand Pierre leur dit, effectivement, ce qu'il fallait faire, nous l'avons entendu, nous l'avons lu. Et alors, l'Écriture nous dit toujours une chose merveilleuse, c'est qu'il dit que ceux-là qui reçurent de bon cœur, c'est comme ça que c'est écrit dans la Bible, qui l'ont reçu avec empressement, hein, alors on nous dit que donc ceux-là furent donc baptisés. C'est que, et le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vous avez remarqué une chose qui est vraiment aussi principale, qui s'est passée parmi ceux-là qui ont reçu cette parole, ils se sont fait baptiser, et après le baptême, il y a quelque chose de très important qui s'est passé. C'est quoi? La persévérance. Ces hommes, et oui, et ces femmes, effectivement, ces hommes qui étaient là, effectivement, ce groupe qui était là, la Bible dit que quelque chose s'est passé, qu'ils persévérer dans l'enseignement des apôtres. Mon frère et ma sœur, s'il y a un temps où nous devons maintenant aussi avoir une attitude de pouvoir persévérer, c'est bien ce temps dans lequel nous nous trouvons. Ça veut dire quoi, persévérer dans l'enseignement des apôtres? C'est-à-dire que ces hommes ici, qui ont été baptisés, effectivement, ils savaient qu'effectivement, que ces hommes-là qui nous ont apporté cette parole, et c'est la vérité, ce qu'ils ont est vrai. Et qu'est-ce qui s'est passé, effectivement, qu'ils ne voulaient plus faire autre chose que ce qu'on leur disait, ce que les apôtres leur faisaient savoir. Quand ils leur ont dit, mais baptisez-vous, ils sont baptisés, dans quel nom? Pas le Dieu, mais parce qu'ils ont dit, mais répandez-vous, chacun de nous a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils se sont fait baptiser en ces noms-là. Parce qu'ils savaient que s'ils nous disent ça, c'est vrai. Mais si quelqu'un d'autre venait par la suite, dit qu'il faudrait vous baptiser au nom du peuple, il n'allait pas le faire. Non, parce que ils ont eu le pouvoir de voir recevoir la parole de la vérité par la bouche. Ces hommes-là disent, mais ces hommes ici, ils ont la vérité. Donc ce qu'ils ont dit là, c'est vraiment vrai. Donc, qu'est-ce qu'il avait dit, effectivement, que c'est comme les disciples de Bérée, comme la Bible dit, effectivement. Oui, ces hommes-là, ils vérifiaient dans les Écritures tout ce qu'on leur disait. Les disciples de Bérée. Ce qui va dire quoi, mon précieux frère, mesdames et sœurs? C'est que le Seigneur Jésus-Christ a dit une parole aussi dans Matthieu au chapitre 24. Je voudrais que nous lisons cela. Matthieu au chapitre 24. Regardez. Je pense que c'est cela. Pardon, oui. Matthieu 24. Matthieu 24. Voilà. Il nous dit une chose ici. Il dit. Voilà, il nous dit ici, le verset, pour lire avec verset 9. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, prêtez bien attention s'il vous plaît.
Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et vous posez la question, on va savoir, mais mon frère, mais ces choses ici, parce qu'on nous dit, on sent que c'est de lointain. Mon frère, ma soeur, s'il vous plaît, prêtez attention. Je voudrais que vous puissiez réaliser une chose. Plusieurs succomberont, se haïront, se trahiront. Et écoutez très bien. Et puis, on continue après le verset, on se dit, mais plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Est-ce que nous sommes pas dans une période où il y a des faux prophètes? Est-ce que vous suivez? Ce qui veut dire que ce que l'Écriture dit ici, c'est la vérité. Donc ça s'accomplit aussi dans notre temps, oui. Maintenant, écoutez bien, il dit, mais parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous ne réalisez pas ce qui se passe aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Vous savez, qu'est-ce qui excite l'amour, effectivement, dans les choses que nous avons? Ce n'est que la parole de Dieu. Mais c'est vrai, frères et sœurs. Pourquoi aujourd'hui les gens se détestent, ce soit les gars qui sont dedans? Mais c'est parce que les gens n'ont pas la parole. Ils considèrent la personne qui est en face de lui comme son ennemi. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, mais nous, effectivement, quand je regarde mon frère, je ne peux pas le considérer comme mon ennemi, même s'il m'a fait du mal. Je sais que ce n'est pas lui mon ennemi. Mon ennemi, c'est le diable. Donc mon frère reste mon frère. Donc je ne peux pas lui faire la guerre. Mais je ne vais pas lui faire du mal, effectivement. Parce que pourquoi est-ce que j'arrive à ce stade-là? Mais c'est parce que la parole de Dieu m'a éclairé. Si je n'avais pas la parole de Dieu, ben je serais en guerre contre lui. Ah, je cherchais même à pouvoir les tuer par tous les moyens. Effectivement, c'est parce que le monde n'a pas la parole de Dieu. Donc, l'iniquité s'est accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. On continue d'abord. Il dit ceci, verset 13, il dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » On doit se poser la question, on doit savoir, mais persévérer, mais dans quoi? Parce que on doit se poser la question. Regardez, frère bien-aimé, si vous avez bien remarqué, pendant cette période, effectivement, qu'on est passé, regardez, lorsque le corona a été donc aussi véhiculé, comme vous le savez, tout ça, ainsi de suite, effectivement, la première fois que vous avez eu à pouvoir entendre, effectivement, c'était des mesures drastiques. Paf, on a fait quoi? Ben, on a coupé, plus d'églises, plus de magasins, tout ça. Bon, on a mis tout ensemble, effectivement. Mais les églises étaient aussi en première ligne. Donc, pas d'église, effectivement, ainsi. Et maintenant aussi, nous sommes toujours, effectivement, parce qu'il y a eu des confinements, et puis, en ce moment, on a encore commencé à confiner. Et vous avez remarqué, effectivement, que quand on a commencé à pouvoir confiner ou déconfiner un tout petit peu, on n'a pas touché, en fait, les églises, on a touché les magasins. Les ceci et les cela, mais ce qui concerne prier Dieu, ça c'était pas la chose essentielle. Donc c'était dans le cadre effectivement de notre essentiel. Alors vous remarquerez, frères et sœurs, parmi votre attention s'il vous plaît, parmi vos frères, parmi vos sœurs, regardez depuis le confinement de la fois passée. Et il y a eu des confinements, on se retrouvait un peu dans le roi, et puis, regardez, quelle est la marche de ceux qui sont de vos frères aujourd'hui? Parce que, regardez très bien, on a des confinements, et puis on doit rester, avoir rester, et si, ainsi de suite, effectivement. Donc, vous voyez que la plupart du temps, vos frères, une partie, vos frères et sœurs n'ont plus le même zèle qu'ils avaient auparavant. Observez très bien, de très près. Examinez-vous, frères. Parce que ma sœur et mon frère, la Bible dit que eux, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit, toi, à propos de la communion fraternelle? C'est ce que toi, tu dois te poser la question. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, effectivement, même si on nous interdit aujourd'hui d'avoir la communion, nous sommes censés avoir la communion. Amen. Moi, je dois, parce que nous sommes, parce que frères et sœurs, si vous, ce que vous ne réalisez pas, ce que Satan a ouvert déjà son arme, son artillerie, en fait. C'est pas contre tous ces gens qui sont à l'extérieur, effectivement. Vous ne comprenez pas très bien, mais c'est contre les croyants. Vous avez remarqué, frères et sœurs, que quand notre précieux frère Christian a lu dans les Saintes Écritures, ici, dans Juges, il nous a bien montré qu'il était tellement nombreux, ces gens. Et puis on passe au test. C'est 20 000 qui sont partis, je pense. Oh oui, frère. Et puis après un test, vient encore.
ce qu'il apprend l'eau, effectivement, parce que comme il nous faisait voir, évidemment, quelqu'un qui se met à genoux pour boire, mais c'est un homme, mais l'ennemi, quand il vient, mais c'est dangereux, il va lui couper la tête. Parce que quelqu'un qui lave l'eau, il lave, il a l'arme avec lui. Il est tenté de regarder, effectivement, il voit si l'ennemi vient directement. Mais celui qui est là, Kunchumoui, mes frères, mais celui-là, ça va pas servir. Oui, bien sûr, parce que l'ennemi viendra, effectivement, eh ben, il va passer dessus. Donc, effectivement, Dieu fait son tri. Il en reste combien? 300, c'est ça? D'un grand nombre comme ceci. Et puis, évidemment, on arrive à un petit nombre, effectivement. Ce que nous devons comprendre, mon frère et ma soeur, c'est que notre Dieu, dans ce temps dans lequel nous sommes en train de pouvoir vivre, il agit. Mais de l'autre côté aussi, Satan aussi agit. Ce que Satan est en train de faire, c'est quoi en fait? Mais c'est davantage refroidir ce qu'on appelle l'amour. Regardez frère, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous trouvez normal qu'on soit dans la même ville, vous êtes chez vous à la maison, et bien nous avons l'écran. Vous allez dire au pasteur, mais je vous explique seulement pour vous comprendre. Vous êtes chez vous derrière l'écran. Enfin, l'écran, ça dit que bon, vous êtes là-bas, moi je suis ici, ben, vous voyez effectivement. Et c'est notre frère, je crois que c'est Jonas ou notre frère ici, José, qui a dit que nous étions censés être ici. Ah oui, frère. Je vais juste vous dire une chose. Ne prenez pas ça en mal. C'est vrai, vous respectez, vous avez, et je remercie Dieu de ce que j'ai des frères et sœurs qui respectent. Mais quand on vous dit que frères et sœurs, vous rentrez chez vous à la maison, mais nous allons rester ici pour quand même veiller parce que c'est ce que Dieu a fait de nous que chaque année on peut pas ne pas veiller. Il faut qu'on puisse quand même parce que peu importe ce qu'on peut dire, on l'a dit cela. Mon frère et ma sœur, en tant que fils de Dieu, vous battrez même ici en disant non frère, en tout cas moi je ne pars pas à la maison. S'il faut même si la situation devient pire, j'accepte effectivement cela, mais c'est nous ici, moi je vais rester avec vous. Mon frère, ma sœur, je n'allais pas te chasser. Ah non, je n'allais pas te dire, même si frère Zaché dit, non, frère Zaché, laisse le frère, laisse la soeur. Si moi je vis ça, mais oui, je n'allais pas te chasser. Te voir que tu dis, en tout cas moi, non. Même s'il faut mourir là, j'accepte effectivement. Mais cette nuit, je vais rester. Frère, moi j'ai voulu voir des combattants aujourd'hui. C'était aussi un test, frère. Ah oui, frère et soeur, un test, oui, pour voir qui est né. Je me dis, mais je veux quand même, peu m'importe, je veux rester. Oui, frère. Vous allez dire, mais Seigneur, peu importe. Parce que si vous étiez comme ça, mais on ne tiendrait personne devant qu'on nous dénonce. Parce que Dieu veille. Mais comme on nous a lu, eh bien, passe l'épreuve, voir les crétifs. Eh bien, mon frère et ma soeur, la persévérance, nous en avons besoin. Parce que les mesures qui seront prises, effectivement, on va vous empêcher même de prier Dieu. Que vas-tu faire? Or, Dieu te demande de pouvoir le prier et le servir. Que vas-tu faire? Ah oui, parce que il y a des mesures qui sont prises, effectivement, même pour pouvoir traverser, même pour assister, effectivement, c'est le suite, effectivement. Qu'allez-vous faire, frère? Si la peur est toujours en vous comme ça, comment va-vous servir Dieu? La Bible dit que oui, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous le voyez très bien, la communion, on l'a plus comme ça, comme il faut, effectivement. Mais c'est vrai. On a besoin de pouvoir également aussi réaliser que non, ce que Dieu, ce que moi je veux, on vous oblige pas à me dire, ce que moi je veux, c'est faire ce que Dieu veut que je fasse. On ne peut pas m'interdire, moi, de faire ce que Dieu veut que je puisse arriver à pouvoir faire. Je préfère mourir en obéissant à la parole de Dieu. Qu'elle me préserve en désobéissant à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible nous fait comprendre. Vous savez, frères et sœurs, c'est absolument important que nous comprenions ces choses-là, frères et sœurs. C'est nécessaire, parce qu'on trouve des prétextes. Parce qu'en fait, c'est que nous nous confrontons dans... Et le diable était très malin, il est très rusé. Regardez, depuis cela, ces temps-là, combien vous devenez froid. Vous n'avez plus même pas le goût de voir retrouver vos frères. C'est même, quand, même pendant la réunion, frères, même pendant la réunion, même, c'était une période, effectivement, des congés, tout ça. Mais toujours, oui, on reste derrière l'écran. Mais Dieu ne vous a pas dit de rester derrière les écrans. Ceux qui sont à l'étranger, on comprend bien. Mais vous qui êtes là. Oui. Oh, oui, frère, on doit respecter les mesures. Et oui, nous l'avons toujours dit ici.
Rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à. Alors vous vous rendez grand comme ça à César. Et à Dieu comme ça. Et vous dites, ah, nous rendons, on a pris des mesures. Mais bien sûr que oui, nous respectons les mesures. Nous tous, nous respectons les mesures. Mais nous respectons les mesures et nous respectons Dieu. On ne peut pas abaisser Dieu et mettre les mesures en avant, en haut. Non, monsieur, c'est nécessaire. C'est important. Regardez, pendant cette période, effectivement, ici, on avait fermé des magasins, les gens ont commencé à taper. Non, casserole, on ne peut pas fermer des magasins. Il faut que le magasin puisse ouvrir, effectivement. Eh bien, le gouvernement a changé. Est-ce que, parce que, oh frère, on a pris les mesures. Non, on a dit non, il ne faut pas qu'on ouvre le magasin, ça doit fermer. Non, 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 nous on va mourir de faim. Non, 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 casserole, tapons. C'était les mesures de César, non? Eh bien, ils ont discuté les mesures de César. Et puis, ben, on a, et il a fini par voir les bons côtés. Bon, on comprend que si on ne fait pas la révolution, eh bien, ouvrons les magasins, même non essentiels. On a ouvert. Mais vous, qu'avez-vous donné pour Dieu? Quelle part avez-vous fait effectivement aussi? Parce que vous devez quand même être dans cette condition, dire, mais Seigneur, là en tout cas, c'est à la vie ou à la mort. Oh, frère, tu vois, ceci et cela. Mon frère et ma soeur, l'église du Jésus-Christ du Seigneur, il persévère dans ce que Dieu a dit. L'homme peut dire, mais ce qui est important pour moi, c'est ce que le Seigneur nous a fait savoir. Cette année-ci, que ça soit une année de persévérance, dans laquelle, mon frère et ma soeur, peu importe la mesure qu'on peut prendre, tu ne veux pas dire, mais tu veux, je ne veux pas respecter. Non, on respecte, mais ce qui m'importe, moi, c'est ce que Dieu veut de moi. Parce que là, je place Dieu à la première place. C'est ça, un chrétien. Je crois que les frères l'ont cité tout à l'heure, effectivement, en disant que, je crois que c'est notre précieux frère Zachée, qui, et je pense que c'est lui qui a cité même Matthieu chapitre 6, verset 33, en disant que, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu, sa justice, et pas d'abord, cherchez d'abord à pouvoir se préserver de ceci, de cela, mais d'abord Dieu, et puis il vous préservera. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, ce qui veut dire que nous sommes appelés, pour ceux qui sont des fils de Dieu, parce que la tactique de l'ennemi est de pouvoir maintenant prendre des mesures qui doivent décourager, nécessiter, qui concernent Dieu, effectivement. Pour les autres choses, il n'y a pas de problème. Vous savez qu'ils vont quand même améliorer. Mais en ce qui concerne ce qui concerne Dieu, on sert de plus en plus. Parce que ce n'est pas à l'avantage de Satan que le peuple de Dieu puisse se réunir. Vous vous souvenez, nous en avons parlé ici, vous n'avez pas prêté attention, nous avons parlé un tout petit peu je crois que c'était entre mardi ou mercredi, lorsque nous avons touché un tout petit peu Daniel. Nous n'avons pas été plus profond. On a parlé de la dernière bête, effectivement, on dit que c'est une bête qui sera terrible. Mais cette bête n'est pas une bête de Dieu, c'est en fait c'est l'antéchrist, vous comprenez cela donc? Terrible, effectivement. Toutes les lois qu'ils vont prendre ne seront pas de lois favorables aux croyants. Parce que, mais c'est le projet de Satan. Et vous ne voyez rien, effectivement, de ce qui se passe, effectivement, aujourd'hui, avec ce qui se va passer, avec ce corona ici, mais ils vont prendre des dispositions. Ils vous disent même qu'ils peuvent même rentrer chez vous à la maison. Parce que, vous savez, il y a une chose que nous devons comprendre. C'est que c'est vraiment le temps pour nous de nous réveiller. Oui. Si vous vous observez très bien, frères et sœurs, vous remarquez très bien que le diable, il est tellement malin, il fait ce genre de choses, effectivement, pour davantage vous endormir. Vous, frères, vous, sœurs, comme je disais tout à l'heure, effectivement, j'ai dit, oui, pardonnez-moi, peut-être que vous allez vous fâcher, mais vous me direz, je suis heureux que vous ayez respecté aussi le principe. Mais j'ai dit une chose, j'ai dit, au fin fond de vous, si vraiment vous étiez déterminé en disant, en tout cas, moi, je ne peux pas passer mon réveillon chez moi à la maison, peu importe ce qui peut m'arriver, en tout cas, je dois être à l'Assemblée, personne ne vous aurait chassé ici. Là, je dirais, Seigneur, j'ai des soldats. J'ai vraiment des femmes, des hommes et des femmes déterminés en disant, alléluia, en tout cas, moi, je ne vais pas quand même, parce que je vais prier Dieu, je vais passer ma nuit de 2020 à 2021 dans la prière, où c'est dans la maison du Seigneur. Je veux prier, je vais entendre la parole là-bas, pas chez moi à la maison. Vous savez que dans les temps anciens, on le persécutait, on les empêchait même de pouvoir avoir des rassemblements, mais cela ne les arrêtait pas, en fait. Oui, ils acceptaient même la mort parce que ils avaient besoin de ces rassemblements. Vous le voyez vous-même, frères et sœurs, combien, déjà, de maintenant, on nous met dans cette situation dans laquelle on ne peut pas. Frères et sœurs, qui est-ce qui guérit les malades? C'est pas le Seigneur?
c'est le Seigneur qui guérit. Qu'est-ce qui peut... Mais c'est, nous avons un Dieu qui fait des choses tout à fait extraordinaires. Et c'est là parmi nous. Alors, il y a deux mesures qu'on va prendre. Nous n'allons pas passer des moments tellement agréables. Mais le problème pour nous, c'est de pouvoir savoir est-ce que nous allons demeurer dans la parole ou pas. Ou allons-nous trouver des excuses avec les mesures qu'on va prendre, effectivement. Parce que vous m'arrêtez très bien. Il y en a de ceux qui, pendant un moment, je ne vous ai pas dit de pouvoir venir, frère, vous êtes libre, si vous voulez rester sur mes épées, c'est moi que vous compreniez. Et j'ai beaucoup aimé l'écriture qui a été lue. Vous comprenez et que vous puissiez comprendre qu'effectivement, que le Seigneur fait passer toujours par... C'est une épreuve. Mais comment vous réagissez? Comment vous pouvez aimer rester chez vous à la maison alors que la maison du Seigneur est ouverte? Gloire à Dieu qu'on nous avait dit qu'il fallait 4 personnes simplement pour la connexion, ainsi de suite. Et puis, nous avons tous prié ici. Pour la grâce du Seigneur, effectivement. Tout le monde a eu à pouvoir prier aussi. Maintenant. On nous a ouvert la porte pour avoir combien? 15 personnes. J'ai dit, Seigneur, louange à toi. On ouvre 15, c'est la porte ouverte. Donc, chacun de vous doit comprendre que quand le Seigneur a fait l'ouverture, eh bien, saisissons l'occasion. Il ne faut pas dire, oh, moi je dois regarder, bon, comme je sais que c'est 15, je reste dormir chez moi à la maison, parce que 15, il y en a déjà là-bas. Ça veut dire qu'effectivement, qu'il y a quelque chose qui, au-dedans de toi, a été enlevé. Ah oui, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et tu penses dans le futur, mais tu es en train de pouvoir le vivre. Parce que ton amour et ton zèle pour le Seigneur n'est plus. Or, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole, la Bible dit qu'il persévérait. Oh, dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, qu'il est doux et agréable pour de faire de demeurer unis ensemble. Mon frère et ma soeur, c'est une période dans laquelle nous devons persévérer à agir certainement que la parole de Dieu soit toujours mise en première place. Parce que c'est là qu'on nous combattra. Bien sûr, monsieur, bien sûr, madame. Frères et sœurs, qu'avons-nous? Ah ben bref, c'est pas ce que je veux dire. Qu'avons-nous à perdre dans ce monde? Nos maisons, nos travails, mais qu'on perde le travail? Parce que je ne vous pousse pas à pouvoir abandonner votre travail, mais en fait, c'est pour vous dire que le diable vous tient par des choses qui sont tellement matérielles, parce que votre cœur est dans ces choses. Là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton cœur. Évidemment, si ton trésor était la parole de Dieu, eh ben tu te battrais pour la parole de Dieu. Je dirais que moi ici, vous savez, nous rendons gloire à notre Dieu quand j'entends les témoignages de nos frères, effectivement, de voir combien ils ont eu à pouvoir s'accrocher au Seigneur et que le Seigneur a eu à pouvoir agir aussi, répondre aussi à leurs attentes aussi dans leur vie. Alors ils s'accrochent comme notre frère Rosario l'a dit depuis sa jeunesse, effectivement, combien il a été catholique et puis combien il a cherché Dieu et Dieu lui a accordé la grâce de pouvoir. Il s'y est accroché depuis ce temps-là jusqu'à ses jours, à son âge avancé. C'est que réellement pour lui, la parole de Dieu est importante. Vous savez, il connaît, moi je le connais, des frères connaissent effectivement. J'ai toujours eu à lui dire, mes frères, tu habites le reste chez toi. Il dit, frère, non, parce que moi je suis quand même dans la mesure de servir Dieu, effectivement. Même pour aujourd'hui, j'ai dit, mes frères, c'est mieux que. Je l'ai redit. J'ai dit, mais qu'il reste à la maison. Il dit, non, pasteur, il ne faut pas dire ça, frère Rosario. Il a dit, lui, il ne peut pas, il va sentir mal à l'aise, rester à la maison. Ils sont là, ils sont témoins. J'ai dit, ils sont mal à l'aise pour rester à la maison, effectivement. J'ai dit, oh, j'ai dit, moi, je voulais le pousser qu'il reste à la maison. Mais lui, il pousse pour venir ici. C'est pour ça que tantôt, je vous ai dit, mais je remercie Dieu que quand je les ai regardés. Parce que c'est comme ça qu'on éprouve les gens. Je leur ai dit, j'ai dit, moi, je ne veux pas des gens qui viennent, qui ont peur. Je ne vous ai pas invité. J'ai dit simplement, moi je viens. Je sais que quand je vais demander aux techniciens, je prierai pour eux, ils seront forts, ils seront quand même là, ils sont toujours des combattants. Hein, j'essaierai avec même à 2 ou à 3, mais vous, je ne veux pas des gens qui ont peur. Ah, j'ai des enfants, j'ai ma maison, j'ai ci et cela, ça va. Je dis, non, moi, je suis déjà mort depuis longtemps et condamné à mort. De toute façon, un mort ne possède rien. Et vous comprenez? Oui, c'est vrai. Et alors, j'ai dit, et non, ils ont dit, oh, non, pasteur, toi être là et nous ailleurs, jamais, là où tu es, c'est cela, non? Je voulais les pousser dehors pour que, et puis moi, j'ai dit, bon, je serai seul avec mes frères, et puis ils me sont à l'écran. Non, je ne les ai pas invités, c'est eux-mêmes. Et ça touchait le cœur, mon frère. Et ça rappelle effectivement aussi la femme syrophénicienne. Le Seigneur ne voulait pas, ce n'est pas qu'il ne voulait pas cette femme, il aimait la personne, mais il éprouvait la personne. Il éprouvait effectivement, il dit, mais, et parce que d'abord les disciples ont été durs, mais renvoie-la, hein, on n'en veut pas celle-ci. Premier obstacle. J'ai toujours dit, parce que vous êtes assis dans vos chaises, j'ai dit, si c'était vous,
qu'allez-vous dire et comment allez-vous réagir? Certainement, déjà avec l'obstacle des disciples, effectivement, dit, mais ils sont méchants. Mais tu changes ta direction, tu dis, en tout cas, je pensais que c'était l'église où je croyais que Dieu était là-dedans. Mais Dieu était là-dedans. Dieu est éprouvé seulement pour voir ce que tu as comme désir dans ton cœur, si tu crois vraiment. Parce que frères et sœurs, pour pouvoir y voir, pouvoir voir la victoire sur ce qui est en train de pouvoir se faire, tu dois être ferme et savoir où tu en es et aussi convaincu de ce Dieu, de ce Jésus que tu crois. Parce que, eh oui, ta foi à toi sera encore éprouvée. C'est sûr et certain cela. Et voilà que il passe la barrière effectivement d'obstacle du Seigneur et puis il passe, arrive à la, les disciples, arrive à l'obstacle maintenant du maître lui-même auquel il a crié, il a appelé même Seigneur, fils de David en plus. Et il entend fils de David qui lui dit, je n'ai pas été envoyé pour donner la nourriture des enfants aux chiens. Ça c'est fort. C'est vrai, vous m'écoutez, vous fâchez peut-être, effectivement. Je vous lis cela pour que vous puissiez vous mettre à la place cette femme. Mais cette femme ne s'est même pas fâchée. Moi, je ne vous ai pas traité de chien. Mais là, le Seigneur l'a traité de chienne. Quelle réaction elle a eu? S'emporter? Se dire, ouais, mais comme c'est pas possible, effectivement, c'est quand même lui qui a dit, venez à moi, tout ce qui est fatigué. C'est quand même lui. Mais je viens vers lui, il me dit, maintenant, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Et la femme répond en disant, alléluia, alléluia, Seigneur, toi quand tu dis la chose, c'est toujours la vérité. Je reconnais que je suis une chienne et les chiennes mangent les miettes qui tombent en dessous de la table des enfants quand ils mangent, effectivement. C'est très touchant, frère. La persévérance. Toujours, effectivement. Et plus loin, on nous dit aussi que vous avez besoin de la persévérance. C'est vrai. Ça, nous en avons besoin. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire la persévérance? Pourquoi faire? Mais qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous puissiez obtenir ce que vous êtes donc promis. Donc si toi, tu trouves des occasions, quand on parle des mesures de corona, tu danses chez toi, je dis, je vais me relaxer, manger des pommes pendant que je suis en train de pouvoir suivre chez moi, et je n'ai pas de problème d'ailleurs, c'est la même chose comme l'église. Mon frère et ma soeur, tu te trompes. Tu dois pleurer pour que le Seigneur ouvre la porte. Si tu es vraiment un fils de Dieu, il dit, Seigneur, tu ne m'as pas appelé, je n'ai pas entendu effectivement que dans les Saintes Écritures, je dois avoir la communion derrière l'Internet à l'écran. Vous avez entendu ça dans les Saintes Écritures? Maintenant, vous posez la question, dites, mais frère, dans quoi tu nous amènes? Mais c'est vraiment dans les Saintes Écritures, frère et sœur. Pour que votre zèle, votre amour, votre désir puisse se réveiller encore davantage pour le Seigneur. Parce que quand il arrivera un temps où on vous dira maintenant qu'il ne faut pas prier parce qu'il y a des mesures qui sont prises, effectivement, vous allez respecter. Mais quand nous avons vu Pierre et les autres, effectivement, Pierre et Jean, on les a même frappés, mais c'était des autorités. On les a même menacés, ils n'ont même pas parlé en ce nom-là. Ils ne sont pas allés se cacher, ils disent non, jugez-vous vous-même, s'il faut vous obéir à vous, ou plutôt qu'à Dieu. C'était pas des hommes aussi qui avaient des enfants, tout ça, et puis bien pouvoir perdre. Mais ils savaient où ils en étaient. Nous avons tout quitté, tout abandonné, effectivement. Toi, qu'est-ce que tu as quitté? Qu'est-ce que tu as abandonné? Il faut que nous arrivions, et surtout cette année, mon frère et ma soeur, comme vous voyez, c'est une période sombre, mais sombre pour le monde, glorieux pour les enfants de Dieu. Ça, n'oubliez pas. Nous entrons dans une année, certainement, où il y aura des moments difficiles, mais nous avons toujours, nous l'avons entendu aussi, nous avons toujours effectivement la victoire. Pour un fils de Dieu, pour une fille de Dieu, les choses seront toujours beaucoup plus précieuses. Parce que le Seigneur, notre Dieu, agira encore davantage. Et la victoire, vous l'aurez, nous l'aurons, parce que nous sommes le peuple de Dieu. La maladie ne nous mettra pas à terre, mon frère, non. Nous le disons avec notre Jésus de la Bible, nous ferons des exploits. Frère, nous ne sommes pas des gens qui retournent en arrière, de ceux qui avancent. Il n'y a rien qui va nous... Non, frère, pour ce Jésus, notre vie, nous la donnons. Oui. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est pour ça que, frère, il faut que vous compreniez que c'est nécessaire, mon frère et ma soeur. La vie pour toi, pour le Seigneur, est d'être plus importante que tout ce que tu amasses autour de toi. Parce que le jour où tu partiras, quel témoignage laissera sur la terre, effectivement? C'est que... Nos frères qui nous ont précédés, ils ont laissé un témoignage tellement poignant que quand on lit, ils disent, Seigneur, je voudrais être comme Pierre, je voudrais être comme Jean. Ces hommes, quand ils étaient là, ils n'ont pas eu peur, effectivement, ils ont eu à pouvoir réellement parler de Dieu. Oui, monsieur, oui, madame, parce que si nous sommes dans la peur, comment allons-nous servir Dieu?
Et si vous êtes même la peur vous-même, comment allez-vous avancer la chose de Dieu? Parce que vous devez être la lumière de ce monde, hein, et vivant la parole de Dieu, se manifestant, parce que peu m'importe, mais ce que Dieu a dit, c'est ça en fait de la persévérance, c'est ce que Dieu a dit que moi, je suis appelé à pouvoir faire. Bon. Vous me prenez toujours, les gens me regardent et me prennent effectivement pour quelqu'un qui est malade, qui est inconscient, d'une certaine manière ou d'une autre. Moi, je suis, c'est vrai, je suis inconscient pour les gens, mais j'applique l'écriture. L'écriture me dit, saluez-vous tous par... J'ai vu la nouvelle salutation, c'est... Saluez-vous tous par les cinq coudes. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas lu, les cinq coudes. Enfin, même les coudes n'est pas les cinq, mais par un saint baiser. C'est ce que moi, j'applique. Je ne sais pas, vous voulez que. Si vous montrez qu'ils ont dit saluez-vous par les coudes, je change de main. Et on sait. Bon, vous allez dire, oh les frères, non, je ne vais pas dire que. Ne faites pas, non, vous devez comprendre que César demande, vous faites ce que César demande, Dieu demande, je fais ce que Dieu demande. Il ne faut pas que les gens disent, oh, ces frères-là. Non, 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 non. Ici, dans notre assemblée où nous nous trouvons, je veux que tout le monde comprenne ce qui vient ici, comprenne que, ici, moi, aussi longtemps que Dieu m'accordera encore le souffle, je ne sais pas encore combien de temps, mais je me tiendrai toujours sur les saintes écritures. Et nous agirons comme la parole de Dieu le dit. Si tu trouves que ça ne te convient pas et que tu veux faire comme tu sens, effectivement, il n'y a pas de problème. Chacun est libre, effectivement, de pouvoir faire ce qu'il a. Mais en ce qui concerne, effectivement, les principes bibliques, moi, je les mettrai en pratique. Et je prierai Dieu qu'il nous aide, effectivement, parce que c'est ce que lui, il a dit que je mette en pratique. Mais maintenant, s'il faut que je meure pour cela, eh ben, Seigneur, moi, tu m'as dit de saluer par un saint baiser, pas par le coude. Bon, je veux dire que, eh ben, si maintenant je dois mourir à cause de saint baiser, laisse-moi partir en paix. Ah oui, il ne vous oblige pas. Et puis je ne vous oblige pas, évidemment aussi. Mais je l'ai dit, je sais que je parle ici et beaucoup de gens suivent, même pas vous seulement les frères. Ça parle loin, donc je sais que peu importe ce qui peut m'arriver, c'est moi-même qui prends ma responsabilité. Mais je pense au Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui nous demande cela. Je ne peux pas me retirer et dire non, non, si la Bible dit ça, je ne peux pas changer pour faire plaisir à quelqu'un. Dieu m'a appelé, c'est pas un homme qui m'a appelé. Donc je sers Dieu. Donc la persévérance est pour le peuple de Dieu. Il faut que vous appreniez à voir. Cette année, vous devez persévérer toujours à faire ce que Dieu nous demande. L'ennemi va chercher à voir mettre des bâtons de roue pour qu'on puisse se détacher. Non, non, non. Nous persévérerons à pouvoir agir sur la parole de Dieu. Parce que c'est là que nous avons la victoire. Parce que nous savons une chose, c'est la promesse du Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous a dit effectivement dans les Hébreux au chapitre 10? Il dit ceci, Hébreux au chapitre 10, je pense, c'est cela, Hébreux au chapitre 10. Alors, il nous dit, verset 36, je pense que c'est là, il dit, « Car vous avez besoin de persévérance afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu. » Vous voyez que pour l'accomplir, il faut persévérer. Vous savez pour quelle raison? Parce que le diable viendra toujours faire en sorte, tout faire ses efforts pour que vous n'accomplissiez pas la volonté du Seigneur. Ah oui, c'est pour ça que nous devons persévérer toujours dans ce que Dieu a dit, même dans un temps comme celui-ci. Parce que, frère, il faut qu'il y ait des situations et des moments comme ceci pour qu'on voit effectivement ce qui est comme nature de Dieu au-dedans de vous. À quelle position vous êtes par rapport? Est-ce que vous pouvez accepter même à donner votre vie pour les saintes écritures? On l'a toujours entendu que les autres l'ont fait. Mais quand ça arrive aussi à ton tour, comment tu réagis aussi? Frères et sœurs, c'est bien de pouvoir prendre effectivement aussi des raisons. Oui, on nous a dit effectivement. Mais ce que nous devons faire, c'est que qu'est-ce que les saintes écritures nous disent, nous? Nous, à nous, effectivement, par rapport à ce qu'on nous dit. Alors, quand nous mettons, et cela qui ferait effectivement aussi une chose merveilleuse pour nous, mon frère et ma sœur, plus nous persévérons à mettre la parole de Dieu en pratique, plus aussi la nature de Dieu prend de plus en plus de place dans chacun de nous. Moins nous mettons la parole de Dieu, eh ben, plus nous reculons de plus en plus. Ah oui. C'est sûr et certain. Que le Seigneur, notre Dieu, vous accorde le soutien et le secours. Qu'il puisse nous aider vraiment à prendre conscience que les jours à venir ne sont pas des jours qui seront des jours aussi
meilleurs pour le monde, évidemment, mais ce sera des jours qui seront aussi meilleurs pour nous, parce que par là aussi, Dieu est en train de pouvoir nous épurer davantage, et aussi nous mettre dans une situation telle que nous puissions avoir cette soif davantage de mettre la parole de Dieu en pratique. Plus nous mettons la parole de Dieu en pratique, plus Dieu continue à pouvoir agir à nous, plus aussi, qu'est-ce qu'ils avaient fait, que nous arrivons à pouvoir atteindre ce don pour lequel Dieu nous a appelé, la perfection. Parce que qu'est-ce qui nous va nous amener à la perfection? Mais c'est que la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu... La puissance qu'elle a, c'est pouvoir te transformer. Mais si elle tombe sur le rose des épines, elle ne va rien faire. Ça veut dire que tu peux l'admirer parce qu'elle est jolie, mais si elle n'a pas d'effet en toi, elle ne va rien faire. Nous savons, mais tu le sais. Mais en fait, elle ne fait rien en toi parce que tu ne la pratiques pas, mon frère. Tu ne la pratiques pas, ma sœur. Tu as peur, effectivement, parce que si tu fais ça, oh frère, si tu me serres la main, ne me serre pas la main parce que je vais attraper le corona. Mais tu vas finir par l'attraper quelque part. Nous devons choisir, savoir. Comme l'Écriture le dit, on ne peut pas choisir deux maîtres à la fois. Servir deux maîtres à la fois. Soit c'est Dieu ou soit c'est Manon. C'est-à-dire que soit le monde ou soit c'est Dieu, effectivement. Mais jamais les deux à la fois. Vous me regardez tous peut-être là-bas chez vous, mais vous n'avez jamais entendu que l'Odyssée était un âge de mélange. Et c'est dans l'Odyssée que Jésus-Christ, le Seigneur, est mis à la porte, non? Tous ceux qui nous ont précédés, ils sont morts à cause de son nom. Il a dit que vous serez tous à toutes les nations à cause de mon nom. Mais c'est normal, mon frère et ma soeur. Aussi longtemps que toi, tu persévères à pouvoir mettre sa parole en pratique, tu n'auras pas d'ennemis. Et tu n'auras pas d'amis. Tu auras toujours des ennemis. Mais si toi, tu cherches toujours à pouvoir, chercher à pouvoir faire la volonté de ton Dieu, alors effectivement aussi, Dieu est avec toi. Hein. Les choses sont différentes. Puisse le Seigneur, notre Dieu, vous bénir, qui vous fortifie encore davantage. Et le désir le plus profond dans mon cœur, ce que cette année-ci, je prie que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde encore cette grâce de pouvoir expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Je disais, lorsque nous avons commencé les réunions, que nous voulons que le Seigneur nous touche. Nous voulons que le Seigneur fasse quelque chose. C'est parce que, comme je disais, je vais prier pour chacun de vous. Et je prierai pour ceux qui sont malades. Pour ceux qui auront des problèmes. Nous aurons l'occasion d'avoir une réunion, je pense, si Dieu le permet, peut-être dimanche, je ne sais pas comment Dieu va conduire, mais c'est sur mon cœur pour que je prie pour le malade, que je prie aussi pour les gens. Mais le problème est celui-ci, mon frère et ma soeur. Si déjà toi, tu n'as pas ce désir dans ton cœur de pouvoir t'accrocher aux choses de Dieu, comment est-ce que Dieu va le faire? Notre frère Zachir donnait un témoignage extraordinaire. Il est resté lui-même ici en train de pouvoir jeûner, prier, il pleurait, il s'occupait, mais Dieu s'occupait de lui. Il vous a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Vous souvenez? Mais Dieu soit béni. Regardez bien. Et puis, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de sa persévérance. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il vous l'a dit tantôt, je ne sais pas si vous avez prêté attention, il dit, mais il est resté tellement pendant une heure et ça faisait que tomber en lui, je crois que c'est ce qui nous a fait comprendre, effectivement, figé, il criait, il louait Dieu, effectivement. Et c'est l'expérience qu'il a eue avec son Dieu après avoir persévéré dans la prière en cherchant la face du Seigneur. Et toi? Et toi, mon frère, et toi, ma soeur, tu remarques tellement très bien que cette période ici, je disais l'autre fois, j'ai dit, mais il y a eu un moment, je crois que c'était à cette époque-là, quand on devait pouvoir commencer le confinement, et au premier confinement, j'ai vu des jeunes de l'Assemblée, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, sois béni. Ils étaient devenus tellement zélés dans les cantines, dans les champs. Mais deuxième confinement, je ne vois plus. Ils sont tellement devenus affairés dans beaucoup de choses, effectivement, on a oublié ce que nous sommes. Ce n'est pas seulement le jour des réunions, mais en dehors du jour des réunions aussi, vous devez quand même comprendre que c'est nécessaire de prier pendant ce temps-ci pour que Dieu... Il faut qu'il y ait ses ailes en soi, frère et sœur. Le diable a eu à voir les déçus, en fait. Voyez-vous, le fait de rester chez vous à la maison, ça devient lourd. Je me souviens de nos frères ici qui en rendant son témoin, il dit, mais oui, quand le frère a commencé à pouvoir prêcher, effectivement, nous étions assis, ça devenait long. Ici, étant assis, ça devenait long, mais comme nous étions habitués à être à la maison, c'était différent. Mais ici, en étant assis, maintenant, ça devenait long à supporter, lourd à supporter. Mais c'est normal. Vous êtes habitué tellement, maintenant avec les confinements, à rester à la maison, s'asseoir ici pendant 2 heures, ça devient difficile. Or, c'est ici que nous devons avoir ce moment de pouvoir s'asseoir, parce que nous sommes dans la présence du Seigneur, et que nous devons prier ensemble, effectivement. C'est-à-dire que supporter pendant 2 heures pour écouter la parole de Dieu. Vous dites, oh frère, c'est long. Mais vous connaissez les Saintes Écritures, effectivement, ce qu'il en était, non? C'est que Paul a commencé à prêcher depuis le matin jusqu'au soir.
Nous limitons le temps, effectivement, mais quand on aime la parole de Dieu, on s'assied et on écoute. Quand il a parlé avec les autres, effectivement, c'était du matin jusqu'au soir. C'était les Saintes Écritures, effectivement. Donc, chacun de nous, nous devons revenir, effectivement, dans cette... Parce que, frères et sœurs, il y a une chose que nous devons comprendre, effectivement. Si nous ne prêtons pas attention, l'enlèvement va avoir lieu, vous allez rester. Oui, rester n'en voulant rien. C'est pas le fait de dire, ah, nous sommes dans une assemblée où Dieu donne la parole, effectivement, Dieu est en train de voir dans une assemblée. Non, c'est que toi, tu dois être participant là. Un homme ou une femme qui sait que ça, c'est vraiment, frère et sœur, le sœur ou le frère qui ont réalisé que le Seigneur était leur Seigneur, ils ne la lâchaient pas. Non, ils ne lâchaient pas. Même mort, les sœurs sont allées chercher son corps. C'est que ça avait de la valeur pour eux, effectivement. Ils ne lâchaient pas le Seigneur. Ah oui, parce que c'était important pour eux. Où est-ce que tu vas aller? Mais là où tu seras, Pierre dit, mais où veux-tu que nous allons? Tu nous chasses pour aller où? Vous avez remarqué, le Seigneur les a chassés. Il dit, mais allez-vous-en aussi. Il les a testés, frère. Ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas bougé. Les autres sont partis, mais ils n'ont pas bougé. Et le Seigneur teste, effectivement, pour voir ce que vous avez au-dedans de vous. Il dit, partez vous aussi, effectivement. Mais ils ne sont pas partis. Il dit, mais allez-vous-en. Ils ne sont pas partis. Pierre dit, mais Seigneur, mais tu nous chasses, mais pour aller où? Nous ici, nous avons, mais si vous avez réalisé que Dieu vous parle, Dieu agit effectivement avec vous, vous serez persévérant, frère. Je crois qu'on devait vous tirer. Je me souviens d'un frère qui m'avait rendu témoignage il y a longtemps de cela. C'était en Afrique, et puis bon, vous savez, oh, quand la parole est rentrée en Afrique, effectivement, les ailes qu'avaient les frères, mais c'était bouillant, c'était pas comme aujourd'hui, effectivement, sous des fantoches, il n'y a presque rien là-bas dedans. Les frères, il dit que, alors, à ce moment-là, il devait presque construire, effectivement, une partie de l'église, effectivement, pour agrandir. Ouh! Comme il y avait beaucoup de frères qui aimaient tellement les seigneurs, alors il y avait deux ou trois brouettes pour porter les briques, effectivement, pour qu'on amène, pour que la maçon dit, mais on me dit que les frères se battaient pour la brouette. Donc il dit, mais toi, tu as quand même amené déjà cinq fois les brouettes de briques. Il dit, donne-moi aussi pour amener quand même les briques. C'est-à-dire que pour seulement une brouette, effectivement, chacun voulait faire quelque chose. Il s'est battu pour la brouette, pour amener les briques. Oui, est-ce que m'a dit? Mais toi, tu te bats aujourd'hui, pourquoi? Pour rester à la maison? Pour prendre plaisir, effectivement, pour être dans ton fauteuil? Non, tu devais te dire, Seigneur, s'il faut, s'il y en a parmi les 15, je dois se trouver à la salle, je dois être la 15e personne. Tu devais être, oui, ma soeur, oui, mon frère. On va pas dire, oh, frère, tu voulais pas de moi. Non, et ceux qui sont ici, là, moi, je les ai dit, je les ai invités. Non. Chacun a eu à pouvoir, il m'a dit, en tout cas, moi, en tout cas, aujourd'hui, moi, je n'ai pas dormi. Je donne l'exemple de Wivine, elle est là. Je lui ai dit, Wivine, accompagne Enzo à la maison, avec la famille, effectivement, et pas va avec la maison. Et puis, j'entends la porte, tant. Il dit, oui, il dit, papa, je me dis, qu'est-ce qu'il y a encore? Je t'ai dit, parti à la maison. Est-ce que je ne peux pas rester? Il dit, rester où? J'ai dit, je vais rester à la veillée. Et quelqu'un qui te parle comme ça, tu vas dire, allez, va voir à la maison. Non. Oui. C'est le Seigneur qui vous teste, mon frère et ma soeur. Pour voir effectivement ce que vous avez encore au-dedans de vous. On ne peut pas vous supplier. Vous devez comprendre qu'effectivement que toi-même en tant qu'enfant de Dieu, Seigneur, là où tu seras, je serai. Toi aussi, là où tu iras, moi j'irai. Comme, c'est ça, frère. Quand vous avez réalisé que c'est la personne, c'est vraiment, oui. Et c'est vrai. Et regardez, frères et sœurs. Je termine par là. Je peux dire, mais frère, frère, il n'y a pas de problème. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais cette année ici, c'est la journée de la persévérance. Vous devez persévérer, frère. À faire les biens, ce qu'elle est. Regardez maintenant. Élie dit à Élisée. Reste ici, reste ici. Qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Par ta vie et par mon âme. Moi ici, Élisée. Restez ici. Vous connaissez, non? Ah oui, il n'a pas fait ça seulement une fois. Bon, encore, il suit encore, il se dit, mais il dit, reste ici, Élisée. Dieu m'envoie dire, là où toi, tu vas être. C'est là où moi je serai aussi. Il a poussé, reste ici, reste ici. Non, Élisée ne pouvait pas rester. Vous savez pour quelle raison? Parce qu'il était lié à Élie. Dieu avait dit à Élie, tu viendras Élisée pour prophète à ta. Bien sûr que oui. Quand vous êtes connecté à la chose de Dieu, on peut vous pousser, on peut vous bousculer. Il dit, je suis toujours là. Que le Seigneur nous aide.
à comprendre ce que c'est que les ailes du Seigneur. Les ailes pour la maison du Seigneur, la joie, l'amour de Dieu, effectivement. Et quand c'est quelque chose qu'on sait que c'est Dieu qui nous a donné, on protège là. On sait que, bah, même si on a des situations, on dit 15, mais quand je viens, je ne vais pas faire de bruit pour que les voisins. Non, je viens d'ici, mais je rentre parce que je veux protéger que l'endroit reste toujours pour que nous prions, mais je dois être là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous soutienne, qu'il vous accorde effectivement aussi la grâce d'être persévérant dans les temps dans lesquels nous sommes en train de pouvoir vivre et entrer aussi, et surtout aussi savoir que la victoire, nous l'avons dans tous les domaines. Les épreuves, nous les aurons. Oui, mais nous traversons les épreuves. Nous avons le Seigneur avec nous et la victoire, nous l'avons. Mais n'oubliez pas, nous devons persévérer. Peu importe ce qu'on peut nous dire, quand c'est contraire aux Saintes Écritures, nous nous mettons toujours ce que les Saintes Écritures nous disent en pratique. Parce que nous sommes appelés à pouvoir vivre et marcher selon la parole. Votre vie est-elle digne de l'Évangile? C'est ce que les Saintes Écritures donc nous recommandent. Que cette année-ci, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde effectivement les riches bénédictions, que dans vos foyers, que la paix y soit, dans votre travail, si vous êtes des chômeurs, que vous trouvez du travail. Si vous n'avez pas les ailes, que les ailes soient. Si vous n'avez pas la persévérance, soyez persévérants. Que le Seigneur notre Dieu bénisse aussi vos familles, pour lesquelles effectivement vous pleurez, qui sont aussi, vous savez, quand la famille, les membres de famille ne sont pas aussi, ne marchent pas bien aussi, ils sont dans le monde, effectivement, ils sont aussi comme un fardeau pour vous aussi. Chaque fois, des coups de fil, là, et les cousins, ils n'est pas bien, tu dors pas bien. Au lieu de pouvoir maintenant penser à Dieu, tu penses aux cousins. Nous prions que Dieu donne des moyens. Que les cousins, les oncles, les grands-mères, les ceci et les cela soient bien pour que vous aussi serviez aussi Dieu bien. Que dans vos familles, que vos enfants rétrogradent, reviennent aussi au Seigneur, à la parole. Que le Seigneur restaure aussi vos foyers, qu'il bénisse effectivement aussi dans tous les domaines. Et si vous cherchez un mari, que Dieu vous le donne. Vous cherchez une maison, que Dieu vous le donne. Vous voulez le baptême du Saint-Esprit, que Dieu vous le donne. Que le Seigneur vous comble de bénédictions. Je serai heureux de pouvoir vous voir. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit, que Dieu vous le donne. Sois béni notre Dieu. Nous allons prier. Le Seigneur Jésus-Christ nous a promis, quand vous verrez le figuier bourgeonner, le ciel et la terre passeront, mais cette génération ne passera pas. Persévérons, persévérons, persévérons. Persévérant, persévérant, oh oui,
persévérons. Oh oui, alléluia, persévérons. Satan est vaincu, persévérons. Oh oui, alléluia, persévérons. Donne-moi
tu viens pas, tu viens pas, ne me retiens pas. Je suis en route, gloire à Dieu. En moi, je suis en route, sans route, je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route.